L'inspiration, c'est un mot un peu mythique, quoi. On a l'impression que c'est Dieu le Père qui descend sur Terre, qui touche un petit peu de ton cerveau et tout d'un coup, il y a une idée qui arrive. En fait, ça marche quoi? De mon point de vue, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est une suite de construction. Déjà, il faut bien vivre, avoir des expériences personnelles qui n'ont rien à voir avec la photographie, vivre des choses, avoir des sentiments, avoir des impressions, et puis connaître un petit peu l'histoire de la peinture, l'histoire de la photographie. Et puis il y a un moment où il y a une petite chose qui se déclenche, une vague idée qui démarre, et puis cette vague idée, eh bien, a besoin d'être épaulée par une autre, etc. À partir du moment où on est rentré dans des cycles où on est en plein dans la photographie créative, eh bien, les idées s'enchaînent les unes derrière les autres. La chambre UDI, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est un peu l'appareil idéal. Il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit, il est transportable. On voit sur un grand dépoli, une page de livre quasiment, ce qui permet d'avoir une relation par rapport au dépoli, à la vision, au cadrage sur le terrain qui est tout à fait exceptionnel. Et historiquement, c'est sans doute l'appareil de toute la photographie américaine, de toute la photographie européenne du 19e siècle. Et on est aussi assez proche de la peinture parce qu'il y a une bonne partie de la peinture et de la gravure qui travaillent dans ces mêmes formats. Ce que l'on se propose d'aborder avec des stagiaires, ce sont d'une part la pratique de la prise de vue à la chambre, comment on place une chambre, comment on travaille, comment on l'installe, connaître les optiques qui vont avec, connaître les films qu'on va utiliser et connaître tous les procédés de tirage en noir et blanc, en couleur, etc. Les procédés anciens qu'on se propose d'utiliser sont assez divers. Il y en a un qui s'appelle la trichromie de Monsieur Ducos-Duron, qui m'a particulièrement intéressé, et donc qui a été là vraiment transformé, réadapté, adapté au monde moderne. Il y a des procédés qui nous intéressent, comme le platine, comme son dérivé en couleur qui s'appelle le chromoplatine, comme le charbon qui est le sommet du sommet de ce que l'on peut faire en couleur, platine, palladium, charbon, gomme bichromatée. Donc c'est des procédés qui sont issus du fond des âges, mais réadaptés à la sauce moderne. Les stagiaires qui viennent ici sont dans des recherches particulières, mais qui sont nées de questions. Les questions qu'ont apportées les systèmes très élaborés qui fournissent des solutions parfaites, comme toute la photographie numérique, et ils sont plutôt vers un retour de quelque chose de plus artisanal, où on met la main, où on essaye de comprendre chaque étape, parce qu'un appareil photographique argentique comme une chambre, on peut le démonter, regarder à l'intérieur, mettre toutes sortes de films, bricoler ses films, en fabriquer soi-même, mettre toutes les optiques. Sur 150 ans d'histoire de l'optique, on met absolument tout ce qu'on veut. Ça marche. J'ai fait de la trichromie il y a un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, largement, 25 ans, 30 ans, de laboratoire pour de la photogravure. Donc je connaissais les techniques de base de ce procédé. Il y a 6 ou 7 ans, j'ai une stagiaire qui avait un CAP de photo et qui est venue ici un mois.
Et comme sujet de stage, je me suis dit, tiens, on va faire un TP sur la trichromie, savoir si on peut, avec des films noir et blanc, faire des images couleurs correctes. Et tous les amis que je croisais, amis photographes à qui je montrais mes tirages, étaient toujours très très curieux de voir ce résultat. Tout le monde me posait 1000 questions, j'avais des mails sans arrêt, donc j'ai fait un blog. Et ce blog aujourd'hui a à peu près 500 000 pages lues par an, ce qui est absolument délirant compte tenu du fait que la trichromie directe intéresse très peu de monde. Hein. Mais voilà, il y a un engouement, donc du Japon aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de fréquentations. J'essaye de montrer que l'idée couramment admise que la photographie montre une vérité, qu'elle pourrait être une preuve, qu'elle pourrait étayer des propos journalistiques, me semble un petit peu un contresens, et j'essaie de montrer qu'il y a autant, il y a plusieurs vérités. La vérité dans son regard, dans la relation qu'on a aux choses, plutôt que un absolu qui tomberait du ciel. Pour le mot de la fin, ce serait de dire qu'il n'y en a pas et qu'on va continuer à travailler comme ça pendant des dizaines d'années. Mais je crois que c'est le mot artisanat qui va être le mot de la fin, quoi. Faire des photographies avec l'amour d'un vigneron qui fait son vin, qui élève sa vigne, ou d'un boulanger exceptionnel qui fait des pains, qui finalement les pains c'est des choses très simples, mais un bon pain ça vaut largement un gâteau. Voilà, donc c'est faire le mieux possible des choses simples. Et puis si on peut devenir, avoir une petite notoriété artistique, ben pourquoi pas?